Bonjour, en ce 15 janvier 2023, je flâne quai du Cameroun où se trouve le chantier de la construction du siège social de l'entreprise Cifrigo. Esthétiquement, c'est assez joli là où on est. C'est assez moderne. Couleur grise brute et bien agréable. C'est un chantier parmi d'autres au Havre, puisqu'il y en a énormément en ce moment. Là, on voit au fond un immeuble aussi très haut qui est en cours de finition. Derrière, on voit l'école de la marine marchande. C'est une rue qui est assez peu empruntée, qui mène de la ville au port. Nous sommes quai du Cameroun, ici l'école de la marine marchande, pour bien se repérer. Bon, nous sommes dimanche, c'est plus pratique, il n'y a personne dans le secteur, donc c'est un petit peu moins compliqué pour filmer. Bâtiment assez imposant. Moderne, mais qui reste assez classique dans sa réalisation. Il n'y a pas de choc. En le voyant, on ne se dit pas, c'est tout à fait différent de ce qu'on a vu auparavant. C'est assez dans la continuité du Havre d'avant-guerre. Des années 30 ou des années 20, plutôt des années 30, mais conteneurs. Voilà, désolé, c'est un conteneur. Il y a du soleil, donc c'est un peu plus compliqué pour filmer. Ah, regardez, mais je l'avais pas vu cette barque. Vous voyez. Là, je vous disais, il y a un bateau qui a été installé chez du Pont.
y aura une vue évidemment fantastique sur la mer, sur le port. Alors, au sol, vous voyez, hein, il y a toujours nos rails portuaires. Enfin, nos rails portuaires. Façon de parler, mais il y avait beaucoup de trains qui circulaient dans le secteur de voies ferrées. Mais là, c'était plutôt, à mon avis, peut-être plutôt pour les. À voir, mais peut-être plutôt. Assez adapté au secteur. Je vous donne rendez-vous pour d'autres endroits de notre bonne ville du Havre.